Flûte ! Les tortinettes apprentis poètes sont très dissipées. Leur livre d'histoire est tout chamboulé. Elles doivent nous aider à débuler le vaisseau, mais je n'arrive pas à les calmer. La seule solution serait de leur raconter une histoire. Oh, j'adore les histoires! Je vais accrocher au tableau des pages du livre. Il suffira ensuite de les remettre dans l'ordre en les plaçant dans les cadres. Il faut remettre l'histoire dans l'ordre. La première page de l'histoire dans ce cadre. La dernière page de l'histoire dans celui-ci. D'accord, j'ai tout compris. Lorsque tu auras terminé, il faudra cliquer sur la brosse. Chouette ! Une histoire ! Clique sur moi pour réécouter l'histoire autant de fois que tu le souhaites. Cette histoire se passe le jour de mon anniversaire. D'abord, je prends mon cadeau. Ensuite, je retire le papier cadeau. Je montre mon nouveau livre à tout le monde car je suis très content. Cette histoire se passe le jour de mon anniversaire. Ensuite, je retire le papier cadeau. Je montre mon nouveau livre à tout le monde car je suis très content. Allez les tortinettes, écoutez cette histoire, elle est très chouette. Cette histoire se passe le jour de mon anniversaire. D'abord, je prends mon cadeau. Ensuite, je retire le papier cadeau. Je montre mon nouveau livre à tout le monde car je suis très content. Bravo ! Deux tortinettes ! Encore deux et nous pourrons commencer à débuler le vaisseau. Voici une autre tortinette. Ces enfants, ils ne tiennent pas en place. Vite, une autre histoire. Le matin, l'escargot se réveille. À midi, l'escargot prend son déjeuner au soleil. La nuit, l'escargot va dormir sous les étoiles. Le matin, à midi, la nuit, Bien, écoutez les enfants. Le matin, l'escargot se réveille. À midi, l'escargot prend son déjeuner au soleil. La nuit, l'escargot va dormir sous les étoiles. Chouette ! On a assez de tortinettes pour débuler le vaisseau. Ces enfants me font tourner en bourrique. Lucie se promène et voit une canette sur le sol. Lucie pense que ce n'est pas très propre et ramasse la canette. Elle trouve une poubelle et jette la canette dedans. Parfait. Voici l'histoire. Lucie se promène et voit une canette sur le sol. Lucie pense que ce n'est pas très propre et ramasse la canette. Elle trouve une poubelle et jette la canette dedans. Et voilà, l'histoire est finie. Il est temps de lire une autre histoire. Oscar aime bien nager. Ce matin, il a enfilé son maillot de bain. Parfait. Voici l'histoire. Oscar aime bien nager. Ce matin, il a enfilé son maillot de bain. Ensuite, il est monté sur le plongeoir. Enfin, il a sauté en éclaboussant tout le monde. Et voilà, l'histoire est finie. Zork l'extraterrestre se réveille tout excité. Il a un rendez-vous important et veut mettre sa plus belle chemise. D'abord, il cherche sa chemise dans l'armoire. C'est ça. Venez par ici, les chippies. Zork l'extraterrestre se réveille tout excité.
Il a un rendez-vous important et veut mettre sa plus belle chemise. D'abord, il cherche sa chemise dans l'armoire. Il enfile ensuite ses trois bras dans les trois manches. Pour finir, il boutonne sa chemise. Il est enfin prêt à partir. Fin de l'histoire. Allez les tortinettes! Il est temps de lire une autre histoire. Charlotte la tortinette veut faire un beau dessin. Elle prend d'abord ses crayons de couleur sur l'étagère. Elle prend ensuite une... Parfait! Voici l'histoire. Charlotte la tortinette veut faire un beau dessin. Elle prend d'abord ses crayons de couleur sur l'étagère. Elle prend ensuite une feuille de papier blanc. Puis, avec ses crayons de couleur, elle dessine une station spatiale. Enfin, elle donne à sa maman le beau dessin qu'elle a fait. Fin de l'histoire. Allez les tortinettes !